Wouah, attends, attends, est-ce qu'il y a une fois le top 1? Wouah, putain, la zone, comment elle va super vite en vrai? Il y en a souvent des gens qui me demandent pourquoi tu mets un fond vert. C'est juste pour ne pas voir la merde qu'il y a derrière moi. Parce que oui, pour tous ceux qui ne savent pas, mon studio, c'est ma chambre. Alors regardez déjà votre chambre, comment sûrement elle est déjà bien sale, tu vois. Et mettez-y tout un studio. PC fixe, imprimante 3D, softbox, écran, bureau, double bureau, chaise gaming, fond vert. C'est le bordel. Dites-moi dans les commentaires si un jour vous voulez qu'on stream sans fond vert pour qu'on rigole un petit peu de ce qu'il y a derrière. Enfin bref, bonjour tout le monde, j'espère en tout cas vous allez bien. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo vraiment extraordinaire que je vais vous montrer. Je suis tombé par hasard sur une vidéo d'anglais il y a exactement 4 jours d'ici plus ou moins. Et je pensais que le titre était totalement fake. Et comment vous dire que j'ai été vraiment choqué. Cette vidéo les gars, regardez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment ahurissant ce que le mec a pu faire. Donc on va tout simplement décortiquer ensemble sa vidéo. Mais je peux vous dire les amis, franchement que c'est ouf. Alors les gars, violez-moi cette barre de like vraiment, parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on a trouvé. Bon, il y a d'autres youtubeurs qui l'ont déjà trouvé auparavant apparemment, mais franchement, vous allez voir, c'est vraiment dingue. Alors pour vous informer, avant de commencer la vidéo, ce mec a tout simplement mis comme titre Fortnite Battle Royale on PlayStation 1, PlayStation 1. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible ce qu'il fait, c'est pas normal, tu vois. Et ben en fait, il n'a pas exactement joué à la PlayStation 1, mais il a refait tous les graphismes de la PlayStation 1 par rapport à Fortnite. Donc si vous voulez, ce mec en gros a fait tout simplement de la 3D au niveau de ce jeu, au niveau de Fortnite, et a décidé comme ça de se dire, tiens, on va faire un Fortnite PlayStation 1. Vous savez quoi, regardez, regardez, regardez. Là, il a créé, dans son pseudo, donc le mec qui a créé ça, c'est Blob Van Damme. Là, il a plusieurs trucs à choisir. Attendez, on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il a choisi. Regardez, il y a genre le panda rose, là. Il y a genre... Waouh, vas-y, trop bien. Il y a le squelette, il y a le skin du début. Il peut faire la petite danse du début. Bah, c'est trop stylé. Il fait de la macarena, le mec. Au calme. Il est trop chaud. Il est trop, trop chaud. Alors là, on se retrouve simplement dans Dusty Depot. C'est le tout premier Dusty Depot que vous connaissez tous. Et ça fait plaisir en fait, ça fait un peu genre nostalgie, t'as vu. Donc là, je sais pas comment il joue par contre. Je sais pas du tout s'il joue avec une manette à partir de son PC ou s'il joue tout simplement à partir d'un clavier souris. Je pense que c'est plutôt clavier souris comme c'est sûrement émulé à partir de là. Mais c'est énorme, regardez. C'est trop énorme. Il casse son arme. Alors il gagne combien? Il gagne 10 par, à chaque fois qu'il attaque. Ah, mais c'est trop stylé. Le camion par contre il gagne 20. Ah ouais, il est chaud lui. Par contre il a pas totalement recopié exactement Fortnite, parce que le jour où on gagne 20 par camion, franchement, oh, ça fait mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre jeu préféré sur PlayStation 1. Genre, vous avez sûrement déjà joué tous à la PlayStation 1, vous avez sûrement un frère, si vous êtes une fille, qui a déjà eu la PlayStation 1, vous avez déjà eu, je sais pas moi, par exemple Spyro, Ratchet & Clank, ou même des autres jeux, Crash par exemple, Crash Bandicoot, c'était vraiment génial, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, la famille. Alors là, il casse de la pierre, ouais, donc en gros, il peut tout casser. Oh, regardez, il y a les popos, il y a tout, c'est trop bien fait. Attends, 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 on va regarder s'il va boire une popo. Oh, le coffre. Attends, attends, il y a quoi là-dedans? Il y a une scarache, il y a une petite popo, il y a des munitions de lance-roquettes et il y a de la brique. Ouah, c'est trop, trop bien fait en vrai, quand on y pense. Oh. OMG, quoi. Mais c'est... Eh, franchement... Le mec vient de boire deux petites popos et une grosse popo exactement comme dans le jeu, mais c'est énorme. Je trouve limite que les graphismes sont mieux faits que sur les téléphones Android ou iPhone, c'est impressionnant. Alors là du coup il a une scarache du coup. Il reste 8,5, attention les gars, il reste 8,5, vous pouvez voir en haut à droite il y a la petite zone. Par contre je sais pas c'est quoi exactement comme emblème de zone, mais c'est vraiment pas dégueu. Est-ce qu'il peut construire? Ça c'est une question que je me pose. Ah, il y a un mec, wow. Il a quoi comme arme lui? Ouais par contre il a blindé de ville mec. Vas-y recharge, recharge, recharge. Nice. Il a éliminé Ninja, attention les gars, je pense qu'il a prêté par rapport à Ninja je pense. Non mais franchement c'est vraiment stylé, grave vraiment géré. Là il récupère quoi du coup? Il récupère directement
Il a des bandages, bon par contre le mec était pas très fort hein. Et puis apparemment j'ai cru voir qu'il y a beaucoup de carrage quand même dans sa game, non? Ouais mais c'est dingue. Ah, quelqu'un lui a envoyé de la flamme là. Il lui a envoyé quoi? Ah non, c'est des bazookas. Oh, il va construire. Oh mais c'est trop bien fait ce truc. Alors par contre j'ai pas trop compris, genre au petit gun tu tues plus vite quelqu'un que à la SCAR. C'est un petit peu bizarre quand même, non? Là par contre c'est un petit peu modé quand même. Vas-y, je veux voir le bazooka ce que ça fait. Fais péter le bazooka là. 30 munitions. Encore mec, il est pas en ligne lui. Wouah, comment ça pète ça d'un coup. Il reste 6 mecs les gars, 6 mecs. Là, il y a quoi là? C'est quoi ça? Ah, c'est un petit gun bleu, il a changé. Ah putain, il a carrément fait aussi toutes les couleurs, c'est impressionnant. Il a récupéré un snipe. Ah, est-ce que le snipe bleu, vous pensez les gars dans les commentaires, donc arrêtez 2 secondes la vidéo, vous mettez sur pause là 2 secondes. Est-ce que vous pensez que le snipe bleu, vous pouvez tout simplement faire des one shot avec dans ce jeu là? Enfin, je sais pas, moi clairement je suis pas sûr. Oh la balle. Oh là, ah il va lui prendre un bazooka dans la gueule lui. Il a tué Speedy. Là il a un pompe, c'est nickel. Machine de guerre, ouais, il est chaud. Il est trop chaud, il est trop chaud, il va faire top 1. Il va faire top 1 les gars. Là il va casser un petit peu pour avoir de, tout simplement du fer. Wouah, c'est trop stylé en vrai, franchement. C'est grave trop stylé. Je vous avoue qu'il n'y aura pas beaucoup de montage sur tout simplement cette vidéo les gars, parce que je trouve ça tellement stylé que j'ai même pas envie de couper, genre vraiment. Alors là il va tirer à quoi? Attends, il va tirer à quoi? J'espère qu'il va tirer au snipe là pour voir. Hey, y'a la zone qui arrive. Oh, le balle de pompe 80. Putain, par contre, il est vachement meilleur que dans Fortnite normal, parce que dans Fortnite normal, pour l'instant, on a des 8 de PV, hein, quand on tire aux pompes. Ah, le mec, il le troll. Sophie Jai, il l'a tué. Ok. On adore la vie. Oh, il a un snipe en or, le bâtard. Putain, même moi sur Fortnite, j'arrive pas en avant. Il va nous faire un, top 1, moi, je le sens trop bien. Truc de ouf. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme construction là? Eh, il le voit. Pouh, Gates. Par contre la meuf elle était bizarre quand même hein. Elle était vraiment chelou. Ah, il avait nos snipe en or, il était en train de camper et tout. Mais pourquoi il enlève son snipe en or au calme? Enlève pas ton snipe en or gros. Mais il est malade. Ah, derrière lui. Ouh, les dégâts. Ah, comme il l'a bloqué en mode bat les couilles. Mais c'est trop bien fait. What? Ah oui, carrément, la machine de guerre, genre, elle explose d'un coup comme, comme un vrai lance-grenade. Ouah, trop stylé. Il a récupéré quoi, du coup? Là il va récupérer une popo là. Vas-y récupère vite fait ta popo là. Récupère ta popo là. Oh, 2 popos, nickel. Nice. Il est trop chaud, il est trop chaud. Est-ce qu'il va nous faire le top 1 les gars? Est-ce qu'il va nous faire le top 1? Wouah, attends, est-ce qu'il va nous faire le top 1? Wouah, putain, la zone, comment elle va super vite en vrai? Oh, la tête de Wham! Ah ouais, par contre, c'est un dégât en fait, la zone. Il reste un mec, mais on sait pas où il est.
Ah, le voilà. Il va nous faire au petit gun. Il a quoi comme arme, lui? Ouais, il est en train de mitrailler. Ah, lui, il s'en bat les couilles. Tranquille. Ah, le mec, il s'en bat les couilles. Il se barre de la zone comme ça. Il s'en fout totalement. Normal. C'est légit, le truc. Vas-y, 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 vas-y. Récupère, récupère, récupère. Qu'est-ce qu'il va nous faire, là? On sait pas ce qu'il va nous faire. Ah, si, si. Allez, petit gun, petit gun, petit gun. Vas-y, vas-y, tue, 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 tue. Nice. Oh, le Victory Royale, il est trop bien fait. Il fait la Macarena au calme. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Non, mais c'est super bien fait, en vrai. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez revoir tout simplement la vidéo. N'hésitez pas à aller la revoir. Je vous mettrai bien entendu le lien de l'auteur dans la description, ainsi que la chaîne YouTube de ce mec. Vous inquiétez pas, la famille, y a pas de soucis. Mais c'est juste énorme ce qu'il a fait, franchement. C'est juste énormissime, vraiment. C'est waouh, c'est excellent. Bah, en tout cas, voilà, c'était vraiment cool. J'espère qu'en tout cas qu'il fera d'autres manipulations, tu vois. Parce que franchement, ça doit être un artiste pour faire un truc pareil. Je sais pas si vraiment, si vous êtes concepteur 3D ou n'importe quoi, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça prend du temps à faire un genre de jeu comme ça, parce que clairement, c'est what the fuck qu'il a fait quand même. Il a fait 2-3 petites retouches à sa manière, mais il a fait des trucs énormissimes quand même dedans. On revoit bien toutes les armes du jeu quasiment, enfin les armes principales du jeu, et on revoit bien entendu, bah tout simplement, Dusty Depot à la première, enfin la première fois qu'on a vu Dusty Depot, et ça c'est cool. Ça fait un peu nostalgique et tout, c'est génial, franchement c'est génial de ouf. Donc voilà la famille, c'était la fin de cette vidéo. Je veux simplement vous montrer cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur. J'ai envie de vous montrer un truc pareil, c'était assez marrant à voir. N'hésitez pas du coup à lâcher votre plus gros pouce bleu les frérots. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Genre moins de cut mais plus de délire et plus que ce soit beaucoup plus honnête et beaucoup plus fun. N'hésitez pas aussi par la même occasion à me dire dans les commentaires du coup, comme je vous ai dit, quel est votre jeu PS1 favori, ou si vous n'avez pas eu de PS1, bah, c'était quoi votre console la plus récente. Donc en gros, enfin la dernière si vous voulez, genre qu'est-ce que vous avez eu comme dernière console, genre une PS4, une Xbox One, n'importe quoi, tout ce que tu veux. Et puis voilà, je vous laisse en tout cas sur cette fin de vidéo. C'était After, prenez soin de vous, et sur ce, n'oubliez jamais, si la vie est un cactus, allez bisous.